Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors ce sera pour un haul et un haul axé grossesse puisque j'ai fait ma première commande sur Envie de Fraise. Donc pour celles qui ne connaissent pas, c'est un site qui est spécialisé dans les vêtements de grossesse, allaitement, tout ça. Ça fait un moment que je connais ce site là. Déjà pour ma première grossesse j'avais été dessus, j'avais regardé etc. Mais c'est vrai que ce qui me rebutait un petit peu c'était les prix puisque c'est pas donné et pour des choses qui ne seront portées que 9 mois voire peut-être un peu plus, mais bon voilà. Je trouvais ça un petit peu cher honnêtement. Après il y a de tout au niveau des prix hein. Mais c'est vrai que sur ce site là si vous voulez vraiment bien vous habiller pendant toute votre grossesse, ils ont des choses super super jolies. Si vous avez le budget pour etc, foncez quoi, il y a vraiment des choses trop trop belles. Et du coup c'est vrai que j'hésitais un petit peu à commander puisque pour la taille, comme vous le savez maintenant, je mets une petite taille et je galère à trouver des choses qui me vont. Et donc j'ai toujours peur que ça taille trop grand etc. Et donc là, après vos nombreuses recommandations, parce que du coup beaucoup après m'ont dit oui mais va sur Envie de Fraise, va sur Envie de Fraise, va sur Envie de Fraise, ma cousine aussi me l'a dit. Donc je me suis laissée tenter, je me suis dit bon allez hop on tente. Et en fait j'ai pris des choses que je pourrais reporter assez longtemps je pense, puisque j'ai principalement pris des affaires de nuit pour la maternité et pour après. Et j'ai pris deux hauts que je pourrais également reporter après la grossesse, puisqu'en fait c'est des vêtements qui me permettront d'allaiter facilement. Voilà, ils sont conçus pour... Donc c'est vraiment ce que je voulais, c'est tout ce que j'ai pris, j'ai pas voulu prendre d'autres choses pour ma grossesse puisque je peux très bien porter mes hauts que je possède déjà et que je mets toute l'année, voilà, pour l'instant. On verra si par la suite j'ai peut-être envie d'acheter d'autres choses, peut-être quand d'un coup le ventre va vraiment sortir et que là je pourrais rentrer dans plus rien, peut-être que je repasserai commande, on verra, je vous tiendrai au courant. Je voulais des jolies nuisettes que je repérais depuis un moment pour la maternité, etc. Ça fait un petit peu nuisette et en même temps tenue d'intérieur, tout ça, donc je me dis que c'est vraiment parfait. En plus pour allaiter bébé c'est vraiment parfait aussi. Enfin voilà, parce que moi je sais que c'était le souci que j'avais eu, enfin le souci, c'est pas non plus le souci de fou, mais c'était le voilà la petite problématique que j'avais rencontrée, parce que c'est vrai que pour allaiter Noah j'étais toujours obligée de tout me débrailler, mes nuisettes etc. Et c'est pas toujours pratique, surtout si vous avez en plus un gilet par au-dessus ou je sais pas quoi, vous êtes obligée de tout enlever. Enfin là voilà, vraiment je voulais des vêtements conçus pour. Donc voilà en gros tout ce que j'ai pris, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors là on se rend pas trop compte, surtout pour les hauts. Mais je vais vous faire comme d'habitude, je vais vous montrer des images portées hein. Donc déjà il y a le haut que je porte sur moi. Donc là je sais pas si vous le voyez très bien, mais de toute façon je vous rajouterai des images. Je l'ai pris en noir et je l'ai pris en bleu aussi. De la matière très stretch, très élastique hein. On est vraiment super à l'aise dedans. Donc ça, même si je dois accoucher en décembre, vous me direz un débardeur, what? C'est peut-être un peu léger, mais je pense que je le porterai avec des gilets par au-dessus ou des pulls, etc. Ça, je pense que je pourrais le porter facilement après, pendant la grossesse. Et donc, comme je vous disais, je l'ai pris également en bleu, puisque si vous me suivez depuis un moment maintenant, vous savez que j'adore ce genre de couleur-là. Pour les tailles, j'ai tout pris en 34-36, puisque ça taille en 34-36, et c'est parfait. Ça baille pas. Un petit peu au niveau du ventre, on voit que... je le remplis pas tout à fait. C'est normal hein, je suis seulement au début de grossesse. Mais c'est pas choquant encore. C'est vrai que voilà j'ai de la place, mais on voit qu'au moins en fin de grossesse j'aurai de la place et je serai à l'aise etc. Enfin la matière est top. J'avais lu sur le site, enfin du coup j'ai lu tous les avis. Et ce qui est vraiment bien sur ce site, c'est que vous avez vraiment pas mal d'avis. Enfin il y a des choses du coup que j'ai pas pris, puisque ça déteignait au lavage machin. Enfin vraiment lisez les avis avant d'acheter, moi c'est ce que je fais. Et c'est comme ça que du coup vous êtes pas déçus après. Enfin là moi pour l'instant pour cette commande là je suis pas du tout déçue, je suis satisfaite de tous les produits. Alors ceux-là, les petits débardeurs, coûtaient 16,99€. Donc j'ai pris vraiment les choses les moins chères. Je crois qu'il n'y a pas de t-shirt moins cher. Enfin peut-être en solde si il y avait des choses, mais c'est des couleurs taupes, tout ça, des choses qui ne me vont pas vraiment. Ces débardeurs là étaient à 16,99€. Je trouve qu'ils sont plutôt jolis en plus. Voilà, c'est des basiques qui ont une jolie coupe. Ensuite on passe donc plus tout ce qui est pyjama. Donc j'ai pris deux nuisettes. Alors ça fait vraiment, je crois que ça doit faire depuis ma première grossesse que je repère un petit peu les vêtements de nuit, tout ça. Donc la première, donc en fait c'est les deux mêmes, c'est juste des coloris différents. Donc la première elle est rayée comme ça. Donc vous voyez c'est des nuisettes, mais je trouve que c'est très joli, ça peut faire très facilement tenue d'intérieur. Là vous avez un petit liseré comme de dentelle comme ça. Je trouve les coupes vraiment très très jolies. Voilà, donc encore une fois je vous montrerai ça porté. Et donc là pareil hein, vous pouvez... Donc c'est conçu pour l'allaitement, donc là voilà, vous avez une petite ouverture juste là. Je me dis que à la maternité, certainement, je porterai ce genre de choses, je m'habillerai peut-être pas forcément ou quoi. Ça fait, je trouve c'est pas... ça fait pas trop trop pyjama encore, enfin porté si, on voit que vous êtes pas non plus en robe de soirée. Mais je trouve que ça fait, voilà, tenue d'intérieur quoi. Donc pour la maternité, ce sera parfait. De toute façon, je pense certainement que pour cette grossesse-là, je vous ferai certainement
une vidéo sur ma valise de maternité quand je l'aurai faite, puisque maintenant je sais à peu près ce que je vais mettre dedans. J'ai vu à peu près avec ma première grossesse s'il y avait des choses inutiles ou non, tout ça, les choses que j'aurais pu oublier, etc. Donc je pense que je vous ferai une vidéo. Moi d'ailleurs, ça vous intéresse ou non cette vidéo. Hein. Ensuite, la deuxième, c'est vraiment ma préférée. Je trouve que le motif me va beaucoup mieux et la couleur aussi. Celle-ci, elle est bleu marine avec des pois rouges. Et pareil, on retrouve le petit liseré juste sous la poitrine. La longueur, je trouve qu'elle est pas trop mal, elle est pas trop courte, pas spécialement trop longue. Et c'est une coupe qui est vraiment très bien. Encore une fois, c'est du tout stretch. Hein. Je pourrais déjà les porter maintenant d'ailleurs. Pareil, je trouve que ça fait petite robe d'intérieur. Je trouve ça mignon. Et vous en aviez en plein de déclinaisons possibles. Vous l'aviez aussi en pyjama. J'aimais beaucoup aussi les ensembles petit top et petit short. C'était super chou dans les mêmes motifs rayés et aussi comme ça. Mais je me suis dit, bon, en décembre quand même le short, voilà. Alors, pour les prix de celle-ci, elle n'était pas en promo. Elle était à 29,99€. Et l'autre, elle était remisée, il y avait des soldes dessus, du coup elle est passée à 23,99€. Voilà. Enfin, dernière chose, j'ai pris cette fois-ci un pyjama. Je me dis, bon, je peux quand même toujours avoir un pyjama chaud au cas où quand même, parce que ce sera quand même au mois de décembre. Voilà le haut. Donc là, évidemment, quand je vous montre comme ça, c'est des matières assez stretch, tout ça, ça rend pas forcément bien quand ils sont pas remplis. Et donc, c'est encore une fois un haut avec lequel vous pouvez allaiter facilement. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que ce découpe qui sont près du corps, vraiment très féminine. Vous n'avez pas l'impression d'être dans un vieux pyjama. Je trouve ça plutôt sympa. Et le bas par contre, il est plus large. Voilà, mais j'aime beaucoup la matière, on est vraiment très bien dedans. Dans les avis, il y en a qui disaient qu'il était trop long. Eh bien moi je trouve qu'il est parfait, il est à ma taille, alors que je suis pas très grande, hein. Je fais 1m60. Et il est vraiment très très bien fait, vous avez l'élastique qui passe juste sous le ventre. Enfin voilà, c'est la taille est très bien. Donc le pyjama lui coûtait 29,99€. Voilà pour les prix, voilà pour tout ça. Et donc en plus de ma commande, ça vous me l'aviez toute dit, on recevait un petit biberon. Donc effectivement, de ma commande, il y avait en cadeau un petit biberon de 130ml, donc de la marque MAM. Donc j'ai beaucoup entendu parler de cette marque, apparemment c'est pas mal au niveau biberon, enfin moi j'ai entendu de bons avis concernant ces biberons là. Honnêtement je pense pas en avoir l'utilité, enfin une aussi petite contenance, je sais pas si j'en aurai l'utilité. Si, peut-être quand il boira de l'eau, quand il sera un peu plus grand, parce que bon moi je compte l'allaiter comme j'ai allaité mon premier et donc bon a priori... Je devrais pas en avoir besoin. Enfin si, peut-être quand je tirerai mon lait, remarque, au début, quand je reprendrai le travail, je sais pas. Mais c'est plutôt pas mal, je trouve, c'est plutôt sympa. Moi j'utilise les Avent en général de Philips, enfin j'utiliserai d'ailleurs pour mon prochain aussi. Et vous aviez aussi un petit échantillon d'une huile prévention vergeture de Mucella. C'est toujours sympa, des petites choses à tester. Et vous aviez aussi le catalogue, alors je trouve qu'il est, il est plutôt pas mal, hein. Les photos sont jolies, les illustrations sont vraiment sympas, des chouettes produits. Je le feuilletais avec plaisir je pense, en plus j'avais un code, j'avais moins 15% avec le code LOVE16, si jamais, je vous le remettrai dans la barre d'infos. C'est vrai qu'il y a des choses que j'ai pas forcément vues sur le site, donc voilà. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, c'est tout pour ma commande. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà commandé sur ce site, si vous avez envie de commander sur ce site, enfin voilà, dites-moi tout. Honnêtement, pour l'instant, moi je suis satisfaite, enfin je l'ai reçu juste avant. J'ai pas encore porté les articles sur la durée, etc. Je l'ai pas encore lavé, machin. Mais de toute façon, si j'ai quelque chose à vous redire, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Mais en attendant, voilà, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut !